saluent la rugbysphère. On pourrait les confondre et même croire qu'ils ne sont qu'un, mais l'essai du bout du monde et l'essai du siècle sont deux actions distinctes, deux essais légendaires différents. Par deux fois, les joueurs du 15 de France ont été touchés par la grâce, chaussant les souliers de vent pour créer deux chefs-d'œuvre issus du degré suprême du French Flair. Avant de s'en régaler ensemble, on va vous demander de nous indiquer, dans les commentaires, lequel des deux est votre préféré. Le choix va être difficile à faire. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne rugby préférée pour toujours plus de vidéos rugby vintage. 16 mars 1991, le 15 de France affronte l'Angleterre dans son mythique jardin de Twickenham. Après une pénalité manquée de Simon Hutchinson, la gonfle va parcourir plus de 100 mètres et permettre à Saint-André d'aller à Dame. Bien que l'essai soit un modèle d'exécution, de jeu collectif et de dextérité, il ne permettra pas aux Français de gagner ce jour-là. Retour à Twickenham en mars 91. Complètement en coin. Très difficile cette tentative. Allez, côté. À côté, voilà un échec réconfortable pour les buteurs. Ça prouve bien que... Oh, la belle contre-attaque. Oh, oui, le contre-attaque. C'est là tout seul, isolé un peu, il trouve du soutien. Didier le mouvement Camero peut continuer pour les Français. Campé qui tape à suivre pour lui-même. Ils arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai, ça. Saint-André, et c'est entre les poteaux. Magnifique. Et la France qui prend l'avantage au score. Après 11 minutes de jeu ici à Twickenham. France 4, Angleterre 3. Mais que de dextérité dans ce jeu. Voici Lafont qui décale, c'est là. C'est là, va faire un crochet antérieur, va revenir chercher quelques appuis. Voilà, Stella qui croise ici avec Didier Camberavero en position de débordement. Il va jouer un coup de pied de récupération pour lui. Fallait-il le récupérer? Et il le fait. Coup de pied de déplacement au centre du terrain. Et on voit arriver ici Saint-André, dont le rebond du ballon sera favorable. Et l'essai de Saint-André vient d'être transformé par Didier Camberavero. Ce qui fait que ici à Twickenham maintenant, après 12 minutes de jeu, la France mène devant l'Angleterre par 6. À 3, messieurs les Anglais ont tiré les premiers, mais les Français ont renversé déjà la situation. On passe à l'essai du bout du monde, le bien nommé. Le 3 juillet 1994, en tournée en Nouvelle-Zélande, le 15 de France est mené 20-16 contre les All Blacks dans leur antre d'Auckland. À la 79e minute, Philippe Saint-André récupère le ballon dans les 22 Français. Il initie une action au cours de laquelle le ballon virevoltera entre 8 joueurs pour finir en terre promise et permettre aux Bleus d'arracher la victoire. Les Néo-Zélandais qui conservent le ballon avec Brewer. Brewer qui demande à Fitzpatrick de l'accompagner. Brewer qui charge, Merle est là pour l'arrêter. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui vont essayer sûrement de garder le ballon au maximum au sol. Le coup de pied de Bachop récupéré par Saint-André. Et il ne tape pas la relance de Saint-André. Saint-André qui relance, il efface ses deux adversaires, il est pris. Il est pris, Philippe Saint-André. Ballon bien libéré. Attention, ça peut être dangereux. Gonzalez pour Delo. Delo pour Benazi. Benazi qui fait l'intérieur. Il écarte sur Ntamack. Il y a encore Sénat là-bas. Ntamack qui revient à l'intérieur. Cabane maintenant. Cabane pour Deleg. Deleg est passé sur les 22 mètres néo-zélandais. Le ballon pour Akosseberry. Mettre pris Akosseberry pour Sadourny. Essai. Essai de l'équipe de France. Un essai de 80 mètres qui permet à l'équipe de France. À 2 minutes de la fin, il l'a réussi sans fin. Regardez un peu, Delo pour Benazi, Benazi qui revient à l'intérieur, Lomu est complètement perdu, Ntamack revient à l'intérieur lui aussi, il trouve Cabane en soutien, Cabane qui a Deleg derrière lui, Deleg échappe à un plaquage, Akosseberry qui est un peu cuit, il n'a pas les jambes pour aller au bout, mais il a la lucidité pour délivrer un ballon en or. Si vous ne deviez en choisir qu'un, lequel est-ce que ce serait? L'essai du bout du monde? L'essai du siècle? On attend vos réponses dans les commentaires. À très vite.